Salut! Alors, encore une petite présentation d'Ecos Live. Toujours vite fait, sans filet. Pour ce qui me concerne, je ne sais pas faire autrement. Juste un petit peu plus avancé. Donc, allons-y, c'est parti. Comment est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà avoir une session quelque part. Donc, il faut que Ecos soit allumé. C'est-à-dire, on ne peut pas se passer complètement d'une session sur un bureau. Alors, allons-y. On allume un Ecos, on choisit son profil là, n'importe lequel. Bon, là, j'ai fait un truc pour le test évidemment. Et ce qu'il faut faire, c'est après avoir créé, après s'être abonné sur le service StellarMate, ici moi j'ai donc l'abonnement gratuit un petit peu limité, il faut aller se connecter là-dessus. Il faut saisir son login et son mot de passe, on se connecte. Et il faut attendre que le pimpin passe au vert. Une fois que ceci est fait, voilà, on voit, ça, là c'est vert. On peut démarrer son serveur Indie. Son démarrer, voilà, simulateur et la monture. Boum. Donc après, je n'y reviens plus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous montrer directement en vidéo sur mon téléphone. Allons-y, le voilà. Sur mon téléphone, ce que ça donne. Alors, ça va être un peu chaud parce que ma petite caméra, là, elle n'arrive pas à bien faire la mise au point, mais voilà. Donc, on va sur son téléphone et on va sur, alors, super bien, hein, live.stellarmate.com. On se connecte avec les mêmes identifiants. Login. Là, il voit que j'ai une session Ecos qui tourne sur laquelle je me suis connecté auparavant avec les mêmes identifiants. Vous noterez, c'est pas super visible, que là, je suis en 3G. Ma session Ecos, elle tourne en local chez moi dans ma maison. Et le live stellarmate.com, bah, il doit passer par certains ports particuliers parce que il voit chez moi le cochon, là. Alors, allons-y. Donc, je vais essayer d'utiliser tout ça. Par exemple, il voit que je peux faire des choses. Donc, j'ai. Alors, je ne sais pas si on voit ici le nom du profil qui est démarré. Si je vais sur Home, non. Il y a toutes les procédures, l'alignement, la polaire, etc. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette photo qui revient là. Bon. Et donc là, je peux faire actuellement, je peux faire une preview. Hop, voilà, j'appuie sur le preview. Et là, vous avez entendu, c'est mon PC qui a sonné. Et en même temps, il m'a chargé la photo, voilà, du simulateur de CCD qui tourne sur mon PC. Je suis en 3G, hein, j'insiste. Alors, j'ai essayé aussi le streaming. Voilà. Non, ça, c'est une séquence, pardon. Le streaming, ça marchait. Ah oui, ça marche pas avec un simulateur, je suis bête. Enfin, bon, voilà. Donc, ce que j'ai fait hier aussi, c'est donc d'utiliser l'alignement polaire de cette façon-là. J'ai démarré la procédure sur mon poste, mais après, je suis allé dans le jardin. Et l'étape finale là, d'alignement, là, quand on a les petits graphiques là, avec le vecteur de rattrapage sur la grille, on peut le faire afficher ici. Et ça permet d'aligner sa monture avec les doigts sur la monture et le smartphone avec la vision en live, en direct. C'est vraiment. C'est très pratique. Et s'il n'y avait pas de nuages, j'essaierais bien ce soir aussi. Cette petite chose ici qui est un petit peu plus bas, le focuseur, voilà. Donc là, voilà, on va voir ce que ça donne. J'ai jamais essayé. Voilà, il m'a démarré la procédure de mise au point automatique. Je pense que en parallèle de ça, voyons voir ce que ça donne sur Ecos. Le focuseur. Voilà, il a dû râler. Capture complete, select star. Donc j'ai pas tout mis en automatique, c'est dommage. Sinon, il me l'aurait fait sur mon téléphone. Donc, on ne peut pas s'affranchir quand même, là, pour le moment, complètement de la connexion à une session graphique. Mais bon, là, le StellarMate, là, ici. Enfin, StellarMate, pardon, justement. Rien à voir avec StellarMate, hein. C'est vraiment deux choses différentes. Le Ecos Live, on peut l'utiliser même si on n'a pas StellarMate. Donc, là, on voit il a abandonné la procédure de focus parce que j'avais pas mis la. Sélection d'étoiles automatique. Et puis voilà, bon, on peut s'amuser à faire plein de choses aussi ici en direct. Je pense qu'il manque encore quelques bricoles, mais déjà rien que ça, là, d'avoir accès pour l'alignement polaire
Ah, la vue en direct, c'est extrêmement puissant. Au lieu de s'amuser à faire des allers-retours entre le jardin et le salon, ou bien d'ouvrir des sessions TeamViewer pour avoir sur son smartphone la vue du bureau du salon, c'est. Donc, c'est pas mal. Qu'est-ce que je vais dire aussi? Oui, alors je sais pas si je suis pour ou si je suis contre le fait que ça passe la protection de mon port. C'est-à-dire que n'importe qui dans le monde. Si j'ai ma session Echo qui tourne, un petit hacker ou je sais pas quoi là, qui se connecte avec mes logins qu'il aurait hackés d'une façon ou d'une autre, j'en sais rien, bon, ça me plaît pas trop ça. Mais finalement, je peux m'amuser à faire le mariole, mettre une caméra de vidéosurveillance qui tourne chez moi avec Echo Live. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre? Bon, je sais pas, de toute façon, là, c'est dégueulasse l'affichage. Alors oui, bien sûr, ce qu'on peut faire, mais là, ça n'a aucun intérêt. Là, je voulais juste vous montrer ce que ça donnait sur le téléphone. Ce qu'on peut faire, c'est se connecter de la même façon, ici. Sur le même truc, là, je peux vous montrer pareil, ça fait exactement le même boulot, hein. Alors en parallèle, je pense que le fait de me connecter ici, ça va me déconnecter sur mon téléphone. Je vous confirme, mon téléphone s'est déconnecté. Non, il s'est pas. Ah non, il s'est éteint. Oh. Qu'est-ce qu'il dit mon téléphone? Allez, login. Schlack, c'est ça. Mon téléphone, il s'est fait jeter. Je peux refaire la même preview, c'est la même interface, hein, il n'y a pas de raison. Et il me la montre pas. Tiens, c'est curieux. CCD Simulator. Alors je peux mettre une exposure de 10 secondes. Pourquoi il me la montre pas? Ben, je sais pas. Quelque chose m'échappe. Gilou, qu'est-ce que t'as raté encore? Si je fais preview là, il fait quoi? Fit Viewer. Ben, si, elle est là. Bon. Qu'est-ce que je fais de pas bien? Simulator, on va mettre luminance. Bon, c'est une version bêta, il y a sans doute quelques bugs, hein, mais ça marche sur mon téléphone là tout de suite. Bon voilà, je m'arrête là. Echo Live, vraiment très très chouette quoi. Super. Allez, à plus.